Station Fréquence, les bons sur 1351 à vous tous. Alors on est quoi en fait? On est vendredi 24 juin 2016 et c'est reparti pour le QSO national du canal 27. Alors est-ce qu'il y a du monde déjà en attente? Non, personne. Peut-être à cause des orages aussi qui en ce moment, là j'entends cracoter, craquer là, à droite à gauche. Et 73, comment vas-tu? Allô, allô? C'est toi Eric? Ah, normal. Attends, c'est la voix des ondes qui m'a montré que j'avais oublié quand même un détail. Alors, les bottes sont 1351, les stations, voilà, de la part de Dandy 33, c'est reparti. Non mais, à chaque fois je fais le coup, hein, à chaque fois un faux départ. Ah si. J'avais, comme qui dirait, oublié de monter à 4 watts un peu plus, quoi. Ah oui, d'accord, ok. On a un petit coup de propag là, apparemment, derrière. Ok, Eric, comment vas-tu? Ouais, j'ai entendu quelqu'un derrière aussi, là, en même temps, je crois que c'est Dolu 33. Département 47, tout faux, département 47, oui, j'ai reconnu la module. Belphégor, Jean-Marie, 14... Oui, Jean-Marie, comment vas-tu, les bonnes 73? Ok, je te reçois, c'est bonsoir à tous. Ouais, les salutations du Lot-et-Garonne. Les 14, les 73. Ouais, ça passe super bien, super bien. Voilà, retour de nuit, nickel, hein, tu m'arrives, plein de câbles. Très très bonne radio, voilà. Voilà, le petit bonjour du département 47. Oh la vache, là c'est... juste avant ça, c'était très calme, j'avais pas un QRM, juste les cracotements un petit peu de l'orage là dans le lointain. Et puis tac, voilà, ça y est que ça arrive d'un coup. Hein. Ouais, je crois que ça doit être des Allemands, il me semble. Ouais, j'ai l'impression que c'est des Allemands. J'ai pas compris ton... Attends deux secondes, parce que j'ai du mal à faire deux choses en même temps. Voilà. J'ai pas compris ton indicatif, Belphégor. Comme le département de 76, par, enfin ou n'importe quoi, 67 de 7e, 6 de 6e à la fin, c'est ça? Négatif 14, Juliette, Mike, Charlie, 73, 73. Ok, 7 de 7e, 3 de 3e. D'accord, ok. Voilà que je rectifie. Voilà, je cherche pas à comprendre, je change l'indicatif, il n'y a pas de souci, ça marche pour moi. Patrick, Denis, merci beaucoup pour le bon sens et bon QSO à tous. Je te laisse la place, Denis, à bientôt.
Ok, les bonnes 73, Belphégor, tu peux rester parmi nous, il n'y a pas de problème. À tout à l'heure, sinon à la prochaine sur les ondes. Et merci de ton petit passage. Retour Eric. Ok, et bah ben, il y a d'autres personnes peut-être, hein, sur le dealer. Là, ton blanc, il a viré au rouge, j'ai l'impression. Les bonnes 73 Michel, en espérant ne surmoduler personne. Ok, c'est impeccable. Comment vas-tu Michel? Oh, mais comment dire, il y a des hauts, il y a des bas, mais bon, ça pourrait aller plus mal. Moi, la chaleur, je ne la supporte pas. Alors, et malgré qu'avec la clim, bon, mais ça passe pas trop mal. T'as vu cet après-midi, quand j'ai reçu... Ah si, je me suis dit que qu'il était temps que je fasse quelque chose là un petit peu là au niveau internet, hein, pour bousculer un petit plus quoi, justement là, pour redynamiser encore encore un peu plus la CB quoi. Alors c'est pour ça que eh ben, ce que tu as vu, eh ben, je l'ai fait un petit peu partout en tout ben, j'en ai fait 6 parce que après avoir mis ta réponse, j'en ai encore recréé un autre et demain je vais voir pour continuer encore. Plus on fera parler de la CB et moins les gens auront du mal, enfin auront du mal, n'importe quoi. Et plus les gens en entendront parler, et mieux ce sera, quoi. Ah oui, mais là, tantôt, j'avais pas trop de temps. Mais dans la liste de mes amis et connaissances, il y en a d'autres qui font de la radio et tout, et qui m'envoient des fois leurs trucs de QSL qu'ils ont reçus. Je vais les chercher, puis je leur signalerai. Tu sais, il y en a beaucoup qui viennent faire un tour sur mon blog le soir après le repas des informations. Alors ça se peut que, avant que tu ailles au lit, si tu fais un petit tour, tu verras peut-être des petits nouveaux qui se seront signalés. Mais en fin de main, je vais m'en faire un tour. Ouais, alors ce soir, ça m'étonnerait que j'ai le temps. Demain, oui, c'est sûr. Demain matin, ça, il n'y a pas de problème. Et ce soir, ça m'étonnerait que j'aille le temps de me balader. Car demain matin, pour moi, ça sera 4 heures debout. Et oui, pour le pro, et dimanche matin, bah, pareil aussi, hein, même punition. Excusez-moi.
Ok. Ouais, juste. Qu'est-ce qui t'arrive, Eric? T'as un souci? Bon, en attendant que tu reviennes, est-ce que Delu33 est parmi nous là? Normalement, il est censé nous faire un test de micro. Il a fait une bidouille là cette semaine. J'en dis pas plus. Je préfère que ce soit lui là qui nous explique tout ça. Quoi. Delu33, est-ce que tu es parmi nous? Michel, Eric et toi Rémi, voilà, je suis là. J'espère que tout le monde va bien et que ben, vous êtes chaud pour le QSO. Oh la vache! Eh, ton truc, il va falloir que tu vas pouvoir le breveter, hein. Tu es jamais aussi bien passé comme ça chez moi que là ce soir. Le signal est toujours à zéro, ça, il n'y a pas de problème. Enfin, il n'y a pas de problème, je crois coup. Mais côté radio, là, ça percute, hein. Ah là je t'entends bien, il n'y a pas de problème, hein. C'est une radio de 5, là. Santiago 0, radio de 5. Tu vas rigoler parce que je ne l'ai pas activé pour l'instant. Ah ouais? Ben, ça doit être un coup de propag alors. Non, parce que là t'as une super radio. Si d'habitude j'ai un petit peu de mal à te sortir par moment et tout ça, là ça marche super bien. Bon, ben ça va être génial pour faire ton test. Eh ben allez, on va pouvoir faire ça en direct, écoute, hein, parce que je vais faire le petit bascule, là, j'ai le petit interrupteur à bouger. Voilà, ça a coupé juste une petite seconde. Voilà, me voilà de retour. Je sais pas si tu sens une amélioration. Moi, voilà, j'ai fait quelques tests. On m'entend un peu plus fort dans le poste qui est juste à côté de mon bureau. Voilà, je sais pas si de l'autre côté c'est un petit peu mieux. Je module un petit peu histoire de vous laisser l'occasion de vous faire ici tout ça et puis de vous faire une idée de comment ça passe. Mais là, je parle au même niveau sonore que tout à l'heure, qui a une petite minute. Donc voilà, bah, dites-moi si ça passe un peu mieux. Retour Rémi, si tu retournes sur. Ok, justement, j'allais faire un retour de micro sur Michel pour qu'il t'envoie les 73. Ok. Alors, oui, c'est plus fort. La tonalité, au niveau tonalité, c'est plus dans les médiums. Par contre, il y a, vu qu'il y a bien 50 km de distance, il y aura un poil de saturation. Alors, retour de... Voilà ce que ça donne de mon côté. Bon, il y a la vidéo qui tourne. Je vais faire en sorte qu'elle soit en ligne de demain matin pour que tu puisses voir rapidement ce que ça donne. Retour de micro sur Michel. Eh bien, bonsoir. Moi, j'ai mieux fait. J'ai regardé par la fenêtre. Je croyais qu'il était devant ma porte. Je me suis réveillé, il est 51. Mais qu'est-ce que je veux dire, Dolly? Qu'est-ce que t'as fait? Mais c'est vrai que... La première modulation est un peu plus aiguë, la deuxième, comment dirais-je, un peu plus, oui, sur les médiums, mais par contre, moi, le signal, c'est 55 des deux côtés. Alors moi, j'ai dû signaler, il y a 5 points de signal et la radio aussi perfecte. Allez, retour à toi, tu fais tourner sur Eric. Ok, merci pour le rapport de module à tous les deux. Des ondes du routier où il y a quelques photos de ma bidouille, donc j'ai bricolé un préampli pour mon micro qui pour l'instant n'est pas intégré dans le micro, c'est juste une bricole à côté sur une platine d'essai qui est faite sur la base du schéma du 2018, le micro EC2018 de chez Eurosigi, dont j'ai trouvé le schéma sur internet, donc j'ai acheté Je sais plus si je te les ai envoyés. Voilà, à toi Eric.
Ouais, je reprends le micro, je suis modèle personne. Ok, c'est bon. Ouais, j'ai comme dans l'idée qu'Eric, il doit avoir des problèmes avec sa station. Il a déjà eu quelques coups là avant ça où ça se coupait, il y avait des problèmes d'alimentation, je crois, de dessus. Enfin, je sais plus ce qu'il m'avait expliqué. Bon, si ça se trouve, là, c'est peut-être parti en vrille, possible. Bon, on verra bien. De toute façon, la porte est ouverte, il n'y a pas de problème. Ok, ouais, j'ai vu les photos, Ludovic, là, sur les ondes du routier, il n'y a pas de problème. Et c'est quand même assez costaud à faire, hein, ton truc. Hein. Par contre, ouais, il y a un chouïa de l'arcel derrière. À moins, peut-être que tu as encore ton poste là en RX à côté, je sais pas. Si c'est le cas, vaudrait mieux que tu l'éteignes. Hein. Parce que là, on sent un chouïa de l'arcel derrière. Mais bon, autrement ça va. Enfin bon, tu verras ça. De toute façon, en écoutant la vidéo, il n'y a pas de problème. Ok, il n'y a pas de souci. Après, c'est possible qu'il y ait un peu de bruit derrière moi. Hein. Il y a le RPP qui joue un petit peu. Donc ça peut aussi. Au niveau TOS, je module, les clés ne décollent pas. Donc voilà. J'ai un TOS mètre, wattmètre de chez Zetagi là, qui est branché en permanence. Et l'aiguille ne décolle pas, donc bon, si elle décolle un peu, il faudrait peut-être que je mette sur le bon étalonnage, voilà. Elle décolle un petit peu, mais voilà, ça, à peine, ça bouge vraiment pas beaucoup. Hein. Donc ok, j'écouterai la vidéo avec plaisir, ça permettra de faire une Je laisse un petit blanc pour voir. Ah oui, oui, ça marche. Mais par contre, il y a un truc que je comprends pas. Ah oui, si, le papier alu, c'est pour tapisser l'intérieur du boîtier, du coffret, du micro. Est-ce que pour le câble, t'as pris du câble blindé? De toute façon, il n'y a pas de problème. Ok, les stations. Eric, j'espère que t'es quand même en écoute derrière, pas sûr. Là, plus ça va, plus la propagande est en train de monter derrière.
Bon, j'ai réussi quand même à tout comprendre, mais là, ça va être bientôt inaudible. Alors, je vous propose tous un QSY sur le 27-270 en Lima, Sierra Bravo. 27-270 en Lima, Sierra Bravo. Ok, voilà, j'y suis. Alors, Michel, est-ce que tu as suivi? Ok, voilà. Donc, je vais garder un petit peu le micro là pour Ludovic. Qu'est-ce que je réponds? Ah ben, ça tombe bien. Tiens, je sais pas si... je suis tombé sur un truc là cette semaine qui est pas mal. Je l'ai mis sur le forum avec les fichiers que tu avais postés là dans la rubrique la radio dans sa globalité. Et le truc que j'ai déniché, ça s'appelle oldtuberadio.net. Alors, l'OM, old, bon, ben, c'est de la musique ancienne, ça, même voire très ancienne. Alors, l'OM, ce qu'il fait, il anime une émission radio sur YouTube avec que de la musique ancienne et que du matériel ancien. Et là où ça devient intéressant, c'est que ses auditeurs, eh bien, ils le contactent via la CB, et là aussi, il est équipé de radio CB ancienne aussi, quoi. Alors, il y a des vidéos, il y a tout un truc, là, justement, là, que j'ai mis avec, là, que j'ai partagé, là, un peu partout. Et c'est pas mal intéressant, quand même. Voilà, donc Ludovic a dû certainement nous rejoindre. Ludovic, retour des micros et après tu feras suivre sur Michel. Ouais, yeah, yeah. C'est quoi ce Zorro là qui nous arrive? Wow, là voilà, ben, on a un perturbateur là de l'Allemagne apparemment en plein sur le QSO. Bon, d'accord, non, c'est qu'on est venu perturber un QSO, apparemment, un QSO là, des Allemands. Si vous m'entendez tous, on va passer sur le 27-280, toujours en Lima Sierra Bravo, c'est plus calme. 27-280, c'est parti pour moi, parce que là, c'est pas possible de mon côté. Ok, voilà, bon. Je suis venu écouter là juste avant, c'était calme. J'espère que ce coup-ci là ça va être bon. Ah oui, ça va beaucoup mieux, merci. Ah oui, non, je croyais que c'était des perturbateurs. Tout faux pour moi, c'est moi qui n'avais pas fait gaffe. J'aurais dû venir écouter d'abord sur le 27-270 si la fréquence était propre. Ça aurait été beaucoup mieux. Ok, bah moi il m'arrivait plein pot, j'entendais plus personne. Ouais, t'arrives, c'était un 9 chez moi. Oh oui, facile. On va finir à la directive, hein, si c'est ça, mais à 3 ça va être dur, hein, surtout si en plus c'est Eric qui est dans le coin, ça va être difficile.
l'alimentation d'antennes couplées pour avoir deux antennes directives, par exemple, couplées en même temps pour pouvoir à la fois recevoir et émettre dans deux directions. Ça pourrait être un sujet intéressant, ça. Moi, à peu près, ça varie entre 8 et 10 degrés. Alors, il y a le lobe qui est assez large. Moi, je vous récupère tous les trois, hein. Ah oui? Dis donc, elle tire large ton antenne. Ou à moins que tu sois sur la verticale. Ah, mais je suis en directive en verticale. Ben oui, je me mets en verticale. Et puis c'est l'amour à cœur, tu peux le mettre d'un côté ou de l'autre. Mais où je vous entends mieux. D'abord j'écoute, et puis c'est où je vous entends mieux, puis je tourne un petit peu. Je fais la moyenne et j'entends bien tout le monde, c'est le principal. Et apparemment, vous m'entendez, mais que vous m'avez répondu. Ah oui, oui, là, c'est plein pot de mon côté. Hein. Ah, moi, ça passe, signal de 7, hein, sans problème. Hein. Comme Rémi, pareil. Bon, alors, est-ce que Eric a résolu son problème? Eh zut! Ouais, à tous les coups, c'est sa station là qui est partie en sucette. Ouais, moi, j'entendais bien, hein, mais bon, je suis à côté, donc je peux pas me rendre compte s'il y a un souci ou quoi. Ça passe bien, mais effectivement, s'il y a un problème d'alim, ça peut être embêtant. Ouais, mais je crois que c'est au niveau du poste, justement. À moins que, Michel, t'as pas eu des nouvelles des fois via le 600? C'est pas grave, qu'est-ce que je veux dire? Oui, mais là pour Eric, à un moment donné, il a eu une mini coupure et après la coupure complète. Ouais, bah ok, c'est bien ça alors. Ah ouais, j'ai compris, le 600, je sais d'où il vient. Ouais, excuse-moi, je ne savais pas que j'étais en train de te surmoduler. Je disais des fois, tu n'aurais pas eu des nouvelles d'Eric via le 600. Ah non, mais qu'est-ce que je veux dire? Tu n'as pas ce 600? Si, mais maintenant je suis obligé de le couper de mon côté. Si je vais pouvoir faire le. Si je vais pouvoir être vraiment dans le QSO. Car certains ont trouvé la combine à chier trois coups de m'appeler pendant le QSO. Alors du coup, alors déjà je suis sur internet pour les infos. Je suis dans le QSO. Alors quand il y a le 600 en plus, j'y arrive plus, je peux plus suivre.